that eventually they have to do, but there's a lot more that goes on in the reasoning process in order to get there. Okay, so I'm going to try to walk you through a little bit of a real-world example so you get a feel for the kind of work that we do, as well as where this the data set from which we draw this conclusion. And so what I have here is that I hope you can read it, but if it's too small, you can just know that this is from an actual transcript over, I think, a 15-week period of a student working with a design coach in making a brand new piece of furniture, typical industrial design problem, where you have to come up with a new piece, a new chair. That's a classic first-year design problem. And what we tried to do is we tried to understand how is this student being led through a reasoning process to think about that student's design itself. And what we saw is actually we do see this connection between the outcomes that are being desired from the specific design and always an abduction which is actually trying to explain that specific value that is actually desired. And we see this in a much more complicated looping recursion than we actually normally expect. So normally what we would see, or I should say normally, what we've kind of made pretty in order to be able to put into a paper, is we see this the following kind of reasoning process. So the student presents an idea. The idea is evaluated. The evaluations are coming up in this horizontal. And then what they do is that they find some evidence about that based on that evaluation. And that evaluation leads them to say that there's actually a new desired value. There's a new desired value that I have not yet witnessed in a sense, but it's just an intended value. And then I have to hypothesize what is actually going to be a form or a mode of operation or something, some type of explanation, predictive explanation in this case, that would explain the intended value that I want. I go back and I do my design work, I come back, I have new evidence, that evidence gets evaluated, and based on that evaluation, I may continue my abductive reasoning until I arrive at the final design, which is over here, which the student uses the metaphor of Lazy Susan to explain the furniture that he has. So what's really interesting, I think, in the work that we've done in terms of design thinking is now trying to lead on and try to understand what are the things that trigger the abduction to happen. And in design thinking, at least, those things are triggered often by evaluations. So when you evaluate something and it's not what you actually intended it to be or what you want it to be, that then triggers as some sort of abductive reasoning in order to better explain why it is that you do not see what it is that you wanted to see and to kind of in the following way. So let me show you, so that's kind of one big school. That's the school of thinking that's kind of, if you would, kind of lineage from Rosenberg, Ehud, and Koskela, and then kind of choose some of the empirical work that we've done based upon that. Another really popular framework that's used and talked is Kay Dorsey's framework. In which he explains design thinking as this union of what plus how leads to a result. So for Case, what he says is that in design thinking, there are kind of two types of abduction, which he'll call abduction one and two, which is that there are certain situations in which we understand the working principle, but we don't know what it is that actually makes the working principle actually work. So we don't know the thing. So the thing that we have to abduct and the working principle leads to the desired value that we want. And then sometimes we know neither. We know neither the thing, nor do we even know what working principles to apply or whether or not that thing actually can achieve the specific working principle. And we have to do what he calls a double loop abduction in order for that to be able to lead to the aspired value, which is really the only thing that we know. This is the only observation, in a sense, that the designer has. That person has no other basis. So he calls the first one abduction one, and the second one abduction two, and what he then calls most of his research is focused on is what he calls the frame. So the frame is the way that designers categorize the working principle and the aspired value. So I'm thinking of a specific problem as a problem of adhesion versus the problem of affixing. Or I'm thinking of a specific problem as a problem of heating water as opposed to maintaining a temperature. So there are just different ways of thinking about that specific problem, and he calls that the frame. And it's based upon your frame, so he thinks that these two things go together, is actually what delimits the space of possible abductions. So the frame,
your schema, some preliminary schema has already filtered down the list of possible abductions that are going to be happening, and that's what you will, and that those are the only things that you will observe. And so a lot of his research is how do we get designers to expand their frame or to move their frames such that they will then be able to come up with more novel abductions. So I've taken that too, and we again use a, I guess partially because I'm very much an empiricist. I like doing empirical research because I really want to make sure that the theories that are being generated can actually be observed. So we've been trying to actually look at how we can actually observe this in the ways that people are thinking about innovative business models. So that has taken up a lot of the research work that I've been doing lately. And we similarly use kind of a part, we start with the framework that that many other scholars have used, particularly the D-School. And we basically say that in design thinking, there are kind of these three big buckets that you're going to be seeing, which is that you will observe something about the world, you will have a schema, or you will come up with a schema, and that is related to your intended value. What is it you want to see in your design intervention? And this is where we see abductive reasoning happening, though. So this is going back to the D-School and Gianica's framework. So what we're saying, and I think this is a very, very, very consistent with what Serge was saying, was that when you see observations, you have a couple of options available to you. You either use existing rules that explain what that observation is, and then you're done, if that's what you want. But if you are unsatisfied with those hypotheses, then what you have is an explanatory induction that actually then creates your frame. So I disagree a little bit with Kay's that frame is an a priori. We actually think that frame is actually produced by the abductive reason, and I'll give you a real-world example of what that looks like in a couple slides. And then based upon your frame, so based upon the way that you want to see the world or your existing schema, that's when you have this prospective induction or innovative abduction, which then says that under my current way of reasoning, if I then apply this specific rule, then I'm likely to see a specific value. Okay, so that's very abstract, so let me give you a couple of examples to show you what I mean. Based upon one specific company called Snapchat. Because Snapchat actually has made some very interesting observations as part of the development of their businesses. So, it has been a problem, is that people have actually been reducing, despite popular belief, reducing the number of social media posts that they have been doing prior to the introduction of Snap, Twitter, and Instagram's disappearance stories. So this was an observation that people have made. So again, so you can now say, so that's all, let's suppose that that's all you observe. People are reducing the number of social media postings that they have. Now, you can use existing explanations to explain why that is. You can say people are bored with social media is passe, social media doesn't apply to, you know, the populations are changing, whatever that happens to be. Well, Snapchat actually made a very interesting explanatory abduction. And that which is actually the basis of their value, differentiated value proposition. So Snapchat actually said, yeah, there is a decline in messaging. That is true. The reason why for that is that people no longer want a system record. They want in the moment. They only want to record things that are in the moment, and then that after that moment passes, that's the end of that record. Whereas prior to that time, the explanation really was that people wanted to record for posterity anything and everything that they say. And that was the way that people explained the kind of systems that they wanted. So their explanatory abduction is about being in the moment rather than being a system of record. And if you make that kind of explanatory abduction, your framing is going to be about ephemerality. So what you are, the way that you want to even see the world is through ephemerality or through a lens of ephemerality, not through a lens of permanence and systems of records. So there it is. So they have their observation, they have their explanatory abduction, and now they have a framing. Now that they have a frame, they can say, because we think of ephemerality, if we were to design a system that allows you to post pictures and other things for a short period of time, we think that we're going to see this, which is what we really want. We want to see customers sharing more often, right? That's the value that they nonetheless want. So as you can see, so what is actually going on in this specific instance is that there is the abductive reasoning that is both retrospective, because you have to explain what it is that you've seen. And based upon the way that you've explained something, it helps you to create a new schema, a new way.
way that you want to make a connection between intended value and those observations. And once you've made that frame, now you can come up with a predicted explanation to say that if we also then design a system that allows blah, 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 the short pictures, 15, 30 seconds or whatever, that people cannot take a photo on their phone and blah, 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 unless other people are talking, then therefore we're going to realize this, the actual value that we want is that customers will share information more often. That's kind of the introduction I wanted to give you a sense of where does design thinking happen in induction. And now, how much more time do I have? I didn't call. Okay, so I just want to repeat to you some of the outstanding questions that still exist. So what are the levels of recursion that actually happen in terms of abductive reasoning and design thinking? That actually was postulated by several authors many, many years ago, but still has not been asked or addressed. And is it a finite state or is it infinite? The second question is the extent to which we're able to observe this. And that's a really interesting empirical question. And then the final question is this really abductive in a sense? Is this really creative? Or is it really just what some scholars have said, that abductive reasoning just simply selective induction? And that, I think, is a more theoretical question for the logicians, not for me. So I'll leave that, but I did want to kind of let you know that these are generally the questions that we get quite often when we talk about abductive reasoning and design thinking. And with that, thank you. Comme tout à l'heure, une ou deux questions de clarification ou un commentaire à Andy. This might push you a little beyond your talk or possibly beyond your interests, and I apologize for that. But I'm curious as if this is a relatively formal thought process, coming up with this design thinking, coming up with a design, we want this, what do we need to do to get there? And I'm wondering, is there a bridge or to basic day-to-day planning, like, oh, I gotta go by the university, I'm gonna have friends for lunch and this kind of thing? Is it like a lesser version of the same process, or is it completely different, or do we even know? So this is a short version of my talk that I'm going to give tomorrow, and the connection I have is to the work that happens a lot in sports psychology and other places, where it's about future-oriented planning. And so I think that's where the abductive reasoning is actually very interesting. So you might know that from a lot of the research work in the cognitive science in that area, we know that individuals who actually spend more time hypothesizing future situations that they like to be themselves in, and thinking about what do I have to do today, so what are the causal things I need today to get to my situation tomorrow, that those individuals are actually more likely to do lots of things, they're more likely to be happy, they're more likely to be economically successful, and they're more likely to actually achieve their plans. So I think, yes, so I think that in that respect, in relation to a lot of work that's going on in psychology and cognitive science, there is a very strong connection between design thinking, which is very formalized in terms of causes leading to specific outcomes, as well as kind of the work that's going on in terms of day-to-day thinking about planning, thinking about the future, and mental representation of the future states. That was like 30 seconds. Yeah, that was very good. Of a very complicated question. Very good summation. Thank you. Ma question, c'est est-ce que c'est compatible avec la méthodologie agile? C'est agile process. Oui, but I'm not sure. I mean, a lot of agile came out of a new way of doing software development that is not the waterfall model, which requires rapid testing minimally viable products. And so I'm not 100% sure whether or not abductive reasoning necessarily is involved. Of course, I've never done empirical work. But I don't know to the extent to which people hypothesize that this little bit of software in this specific minimum viable version is going to be the causal, will be sufficient to produce a causal outcome. If that were the case, then I think that yes, that we're seeing some sort of abductive reasoning. But I think if that were not the case, then all we know is that then they're really applying just a very rule-driven approach to say, it's 2 weeks, what can we fit in 2 weeks, and then in 2 weeks we're done, which I don't think is abductive then in that process, in that situation. So I think, the answer is I don't know. I don't know if the research has shown it. Charles va se préparer.
Charles a fait un doctorat, mais n'est pas rentré dans l'enseignement. Il est resté dans la pratique, mais sur des contrats très complexes où il a pu utiliser différentes formes logiques, disons. Voilà. Je pense que ma présentation sera assez décalée par rapport aux deux présentations qu'on vient d'avoir, qui étaient tout à fait remarquables. J'espère quand même qu'elles contribueront à un certain éclairage sur un point de vue qui est peut-être plus industriel. Et donc, il faut d'abord, il y avait une sorte de piège quand Albert m'a invité à venir présenter. Et donc, sachant pas trop, connaissant mes travaux sur le traitement automatique des langages, sur le traitement des données, et sur les méthodes de classification automatique, il s'est dit, je vais lui trouver un titre, et puis il se débrouillera pour faire sa présentation. Donc il m'a trouvé ce titre, traduction dans les affaires autour d'expérience. Moi, je suis j'ai une formation scientifique, effectivement. J'ai fait des travaux sur la classification automatique, et donc j'ai commencé par poser sur la traduction. J'ai dit, de quoi est-ce qu'on parle? J'ai été sur Internet, Google, j'ai cherché la traduction, qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'ai trouvé deux réponses. Ça a deux sens, un sens dans le domaine de la médecine, hein, qui consiste à écarter un membre ou un segment de membre de l'axe du corps, c'est dans les éléments de définition, c'est un élément de santé. Et puis l'autre, c'était la question du raisonnement par lequel on restreint des départs dans des hypothèses susceptibles d'expliquer un phénomène donné. Et alors, je dis bon, ça, je trouvais ça dans la définition du petit Larousse. Et donc, comme c'était à appliquer à l'intelligence d'affaires, qui était quand même déjà plus familier de ce que je savais faire. Et donc j'ai été chercher l'intelligence d'affaires dans tout savoir sur l'intelligence d'affaires sur Evalue dans un blog. Et donc là, je retrouve des éléments sur l'intelligence d'affaires, ça consiste à collecter des données. Donc ça me parle assez bien, les données, je sais ce que c'est. Entreposer ces données, analyser ces données. Donc tout ça, c'est des sujets, donc données, data, c'est des sujets avec lesquels je suis confortable puisque c'est mon métier, c'est le traitement des données sous différentes formes. Alors, ça ne veut pas dire que j'approuve tout ce qui se dit sur le sujet, notamment les déclarations de Buckingham sur data is a new oil, you need to find, extract, refine, distribute and monetize. Je pense que c'est une des grandes erreurs qu'on doit corriger dans les moments qui viennent. La donnée, ce n'est pas une ressource énergétique comme une autre ressource qu'on peut trouver sur la planète. C'est une ressource qu'on peut utiliser et réutiliser à l'infini. Et en fait, c'est déjà un sujet qui est assez compliqué. Et si donc il faut bien expliquer cette espèce de phénomène autour de la donnée qui n'est pas une ressource naturelle comme d'autres types de ressources. Donc j'avais l'abduction, j'avais l'intelligence d'affaires, donc j'ai fait ma requête sur savoir qu'est-ce qui pouvait combiner les deux. Et j'ai trouvé qu'en combinant ces deux recherches, enquête, et on tombait donc sur toute une série de. Bon, dans l'encyclopédie du paranormal. Pour l'abduction, les affaires liées à l'abduction, c'était le kidnapping de personnes par des extraterrestres. Et là, j'ai dit, bon, Albert, je ne sais pas où est-ce qu'il travaille aujourd'hui, dans l'Institut scientifique, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Et alors, j'ai continué à chercher un peu, puis je suis retrouvé sur une définition qui m'allait assez bien. Dans l'encyclopédie philosophique, sur le raisonnement, où il y a l'abduction ou l'invention d'hypothèses. Alors l'invention d'hypothèses, ça me parlait assez. Produire des idées nouvelles, regrouper des observations non connectées, infirmer ou non des hypothèses par l'observation des conséquences qu'on peut déduire. Et ça me mettait dans l'esprit d'autres travaux qui étaient plus anciens, notamment les déclarations du professeur Claude Bernard en 1850. Qui opposait, qui complétait la science fondée sur des hypothèses de ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui la science fondée sur des données, avec cette idée que l'hypothèse sert à vérifier des idées basées sur des faits antérieurement acquis, ou sur la vérification de ces idées, mais que malgré tout, dans
travail consiste à travailler sur les données qui sont de nature variée. Je vais essayer d'expliquer par quelques exemples ce que j'entends par là. Et puis, dans la science, enfin, dans les sciences cognitives, computer, comme on dit maintenant, on dit et intelligence artificielle ou big data, ou tout ça se mélange le vent. Il y a quand même un moment donné où ces données en volume doivent être stockées, font l'objet d'un traitement informatique. On ne va pas traiter un document de la même manière qu'on traite un film ou une image. Puis sont associés à cet univers des données tout un tas de choses sur l'organisation, la structuration, la sémantisation de ces données, l'analyse de la sécurité de ces données, leur qualité et puis du pouvoir prédictif qu'elles peuvent ou non avoir, de l'intérêt qu'on va porter à leur stockage. Et tout ça ayant d'intérêt, évidemment, plus dans une perspective d'utilisation. C'est-à-dire comment, qu'est-ce qui va être le driver, qu'est-ce qui va pousser à ce qu'on stocke ces données, à ce qu'on les analyse, qu'est-ce qu'on va en faire. Aujourd'hui, dans les applications, à peu près 60% de ces données et ces traitements servent à faire des économies ou à optimiser des processus existants et à peu près 30% servent à créer des nouveaux produits ou des nouveaux services. Donc c'est un peu ça dont je voulais vous parler ce matin en vous donnant quelques exemples. Alors, on peut avoir la même vision que la mienne que quand on regarde les travaux qui sont menés par le groupe Gartner, surtout le monde et l'univers et la complexité, les compétences nécessaires qui gravitent autour de la donnée, que ce soit des capacités autour de la capacité à comprendre ces données ou à utiliser ces données, ou à traiter ces données. Je crois qu'il y a pas mal d'informaticiens aujourd'hui. Et donc, effectivement, les skills autour de l'IT sont c'est un des environnements, mais ne croyez pas que ce soit le seul, et ce serait une erreur fondamentale qu'on a. Depuis la naissance de l'informatique, de penser que l'informatique résout. Donc moi, pour avoir travaillé dans le domaine du text mining, le traitement automatique des langues, on sait que c'est un sujet qui est ancien, qui remonte à la fin des années 50, et qui a pris beaucoup de retard parce que les informaticiens, probablement, ont eu la faiblesse de penser qu'ils pouvaient résoudre le problème en se passant des métiers de la linguistique, par exemple. Et alors, certaines connaissances de règles ou certaines connaissances de choses. Donc, une complexité dans les métiers. Et puis, je voulais tout à l'heure vous présenter ça parce que c'est intrinsèquement lié au problème qu'on essaye de résoudre. Cette image, elle montre l'importance, c'est la question de l'importance des données. Donc, pour la comprendre, en bleu, vous avez les données qui sont produites par des pays pour les pays. En vert, ce sont des données qui sont utilisées par des pays et qui sont produites par d'autres. Et puis en jaune, c'est les produits et c'est d'autres sources de données. Donc il faut lire ce diagramme de la manière suivante. Aux États-Unis, 100% de l'information qui est utilisée pour faire tourner le business est produite par les Américains. 100% des données qui servent à faire tourner le pays, que ce soit des données sont produites par des sociétés américaines. En Chine, 99% des données utilisées par les Chinois pour faire tourner le pays sont produites par des Chinois. En France, à peine 25% des données qui sont utilisées pour faire tourner le pays sont des données françaises. 75% des données qu'on utilise, à peu près, sont des données qui sont en provenance des États-Unis. Vous, au Canada, la situation est différente. Vous avez moins de 5% des données que vous utilisez pour faire fonctionner votre pays qui viennent de chez vous. L'ensemble des données que vous utilisez sont produites par principalement les États-Unis. Pas le reste du monde, c'est même pas the rest of the world. C'est, voilà, donc on pourrait faire l'analyse des. Donc il faut, gardons ça aussi en tête. C'est un. Dans une stratégique sur l'utilisation des données et des méthodes. Parce qu'on va voir dans les exemples qui suivent que ces données-là, elles ne sont pas innocentes, elles vont servir à fabriquer, pour partie, hein, des logiciels, des modèles d'intelligence artificielle, des modèles prédictifs par exemple. Et donc, gardons en tête cette représentation. Alors, je vais passer quelques exemples assez rapidement.
rapidement pour pouvoir prendre des questions. Parmi les usages classiques de cette intelligence artificielle ou ce raisonnement sur des informations comme des textes, beaucoup d'applications se font dans le domaine de la banque et de l'assurance. Donc, par exemple, en France, nous, on s'intéresse à analyser l'ensemble des informations qui sont collectées sous forme de texte. Avec toutes les. Une information textuelle, c'est comme un chiffre, ça reste une donnée, donc elle peut être fausse. Cette donnée peut être fausse, elle peut être biaisée, elle peut être induite pour tromper, etc. etc. Donc gardons toujours en tête que tous les modèles qui seront déduits, ou toutes les applications qui vont être déduites, ont ce facteur d'incertitude et d'erreur, et probablement de malice, intégré en leur sein. Donc l'objectif ici de ce processus est assez simple. C'est vous êtes, vous avez une compagnie d'assurance qui va sur votre santé. Cette compagnie d'assurance, vous demandez à être remboursé d'un soin, donc parce que vous avez été médecin, ou parce que vous avez peut-être une voiture, peu importe, toutes les questions équivalentes. Donc vous envoyez votre demande de remboursement et ainsi que la facture. Et aujourd'hui, le processus qui permet de. Donc vous devez analyser de manière automatique tous les inputs, tous les documents qui vont rentrer, le diagnostic, les factures, les contrats, etc. En parallèle, vous devez adresser par catégorisation, par un modèle de catégorisation vers les bonnes lignes du business. Vous devez traiter, corriger les fautes d'orthographe, les erreurs d'écriture, les, bon, ouais, tout un tas de travail. Et ensuite, votre objectif, c'est de dire, est-ce que je rembourse ou pas la facture? Alors aujourd'hui, dans ce type d'exercice, bah, le remboursement des factures, ici c'est un client, aujourd'hui, le temps pour faire ce traitement, il est fait manuel, c'est j'ai reçoit une demande par mail ou par courrier, je regarde le contrat, j'essaie de comprendre si le contrat couvre la demande de remboursement et la facture, et je rembourse ou pas. Mais c'est un quart d'heure pour faire ce travail-là. Ce travail-là se fait souvent aux Indes. Le coût de la dette est plus cher. Aujourd'hui, avec des systèmes comme ça, bah, tout en cette perfection, ils arrivent à réduire de temps, de moitié, à peu près le temps de traitement pour cette même demande. Donc on a une espèce de modèle un peu fondé sur les données, parce que le système a appris sur les données précédentes, et qui va être capable de faire gagner du temps. Donc on ne crée pas un nouveau service, on est vraiment dans un modèle où on va économiser de l'argent. D'autres, un autre projet, un projet sur qu'on a fait avec l'électricité de France. Et ces gens-là reçoivent 20 millions d'appels téléphoniques tous les jours, tous les ans. 20 millions d'appels téléphoniques, ils ont 8000 personnes qui répondent au téléphone tous les jours, dans 70 centres d'appels. C'est un gros, enfin, c'est comme Hydro-Québec, mais c'est EDF. Et le problème de ces gens-là, c'est bien sûr de répondre aux questions des gens qui téléphonent, mais il y a quand même quelqu'un qui est dans la compagnie qui s'est dit 20 millions d'appels téléphoniques par an, qu'est-ce que les gens nous disent? Parce que nous, on peut répondre évidemment à leurs questions, on peut dire, on peut répondre à la raison pourquoi votre facture n'est pas bonne, pourquoi ceci, pourquoi cela, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, de toute cette quantité de données, réfléchir à, vraiment aux besoins, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin, pourquoi est-ce qu'ils nous parlent, pourquoi est-ce qu'ils nous appellent, etc. Donc on a développé un système qui combine à la fois, dans le cadre d'un projet de recherche, à la fois collecter des informations, transcrire l'appel téléphonique qui est un message vocal, un wave, en le traduisant en texte, analyser son contenu sur deux aspects. D'un côté, aspect que me dit le client. Qu'est-ce qu'il échange avec, dans les 5 minutes moyennes d'échange téléphonique avec le conseiller, de quoi est-ce qu'il parle? Et puis en parallèle, comment est-ce qu'il parle? Donc avec d'autres algorithmes sur le volume de sentiment, de façon à avoir une sorte de tableau de bord dans lequel lorsque la personne téléphone, eh bien on va avoir l'appel téléphonique, on va avoir les commentaires qui vont être. Donc là c'est une personne qui téléphone par rapport à un problème de facture. Donc là, ça, c'est la conversation a duré
va collecter des informations sur est-ce que cette cliente, on nous parle d'autres produits ou d'autres services qu'elle aurait vu chez un de nos concurrents. Dans, à l'occasion de ces 20 minutes de discussion, c'est beaucoup, beaucoup de données. Quelle était la structure de l'appel, quels étaient les thèmes et les sujets. Et puis des informations plus structurées, à quelle heure elle a appelé, quel jour elle a appelé, etc. De façon à essayer de comprendre. Mais de façon pareille, on est face à une montagne de données qu'on essaye de trier, qu'on essaye d'organiser, et pour lesquelles on essaye de comprendre une structure qui n'est pas évidente. Et puis ensuite, bah, des choses comme ça, des choses qui ne sont pas forcément attendues. Ici, dans une conversation, combien de temps parle le conseiller, combien de temps parle le client, combien de silence on va avoir, combien de temps est-ce qu'on va passer pour se dire bonjour, combien on va passer de temps pour se dire au revoir. Voilà, et toutes ces données qui sont en fait essayer de comprendre l'interaction, la nature de l'interaction et l'amélioration qu'il peut y avoir entre le client et le conseiller, sachant que la difficulté supplémentaire, c'est que les gens ne restent pas dans les centres d'appel. Je ne sais pas si certains d'entre vous, lors de vos études, ou lorsque vous étiez jeune, avez travaillé comme opérateur dans un centre d'appel. Quelqu'un a déjà fait ce travail? C'est un travail intéressant, n'est-ce pas? Vous travaillez 55 secondes par minute, ou quelque chose comme ça. Et bon, c'est un travail très difficile, et apprendre sur le tas, c'est compliqué. Donc il y a des formations, mais les formations ne sont pas simples. Donc il y a tout un travail sur les données qui permet de faciliter ceci. Et puis après, voilà, on peut avoir aussi des choses où ça se passe mal et c'est intéressant de combiner dans une conversation ici de 12 minutes, voilà, capable de combiner, d'alerter. Alors, d'autres. Donc on se dit, donc on a tout cet ensemble de données qui sont disponibles, j'en ai parlé un petit peu, c'est des données qui sont entreprises, des données qui viennent de la ville, c'est. Je pense que Montréal, et comme d'autres villes au Canada, et comme d'autres grandes villes ou d'autres pays dans le monde, pratiquent une politique d'ouverture des données, avec l'idée que plus je mets de données à disposition, plus les entreprises pourront s'en saisir, les universités pourront s'en saisir, et développer des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouveaux modèles, etc. Donc ici, par exemple, la question c'est qu'est-ce qui fait. Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens, il y a des affluences dans les bureaux de poste? Les gens vont à la poste. Pourquoi ils vont à la poste? Est-ce que la météo joue un rôle? Est-ce que le jour des prestations sociales, la proximité d'autres bureaux? Comment est-ce qu'on peut modéliser cela? Essayer de comprendre. Ici, sont sur la ville de Paris. Les bureaux de poste sont signalés. Donc l'idée, c'est que on est vraiment dans la recherche de prédiction. Hein. Donc ici j'ai les éléments sur l'activité horaire. Et donc l'idée c'est que je vais fabriquer un modèle sur la base de l'ensemble des données que j'ai pu collecter dans le passé et essayer de comprendre quelle serait l'activité d'un nouveau bureau que je placerai à cet endroit-là et en fonction de son environnement, en fonction de tous les éléments qui sont liés. L'activité globale, etc., etc. Donc là, sachant que j'ai aucune association, j'ai aucune idée vraiment de la pertinence des données que je vais mettre. Je me dis que plus je mets de données dans mon système, et plus je serai capable de prédire, et donc finalement d'identifier les règles dont vous parliez, les règles métiers dont vous parliez, pour savoir si ces règles, ce sont vraiment des règles qu'on peut formaliser ou pas. Alors ce qu'on peut appliquer ici, c'est aussi par exemple le projet d'estimation de flux dans les transports à partir de la géolocalisation. C'est un gros problème en région Île-de-France. Le fait que 4 ou 5 millions d'habitants se déplacent tous les jours depuis la banlieue vers le cœur de Paris pour y travailler ou bien traversent Paris, etc. Donc l'idée c'est dans le cadre de recherche le citoyen peut prendre une bicyclette, prendre le bus, prendre le métro. Comment est-ce que je peux modéliser les différentes façons de se déplacer, pareil, en fonction des flux, en fonction des horaires, et de façon à définir ou à proposer des services qui font qu'on peut maintenant réserver, grâce à ce système-là, on va réserver ça, non seulement sa place dans le train, mais sa place dans le wagon, etc., etc. Pour optimiser en disant, si vous prenez le train 3 minutes plus tard,
contexte de situation accidentogène. Donc, c'est un projet qui a été fait sur la ville de Londres. Donc, l'idée, c'est que je vais analyser tous les accidents qui ont lieu dans un quartier de Londres. Je vais être capable de signaler, d'identifier des types de carrefours dangereux, etc. Je vais créer un modèle et après, je vais essayer d'expérimenter ce modèle dans une autre partie de la ville de Londres. C'est-à-dire, donc, je vais essayer, grâce aux données, de définir que peut-être ce type d'intersection est dangereuse ou ce type d'intersection, et voir si ces mêmes intersections peuvent s'appliquer et peuvent se retrouver plus tard dans un autre coin de la ville. Donc j'apprends, j'ai défini mon modèle sur un morceau et je fais une extension. Même chose dans le cadre d'un projet qu'on mène sur, c'est une des parties du projet, sur est-ce qu'on est capable d'identifier pour des personnes dépressives, on s'intéresse à leur comportement. Donc, et pour éviter le risque de suicide. Donc on se dit, qu'est-ce qui va caractériser notre patient et quelles externalités il produit qui peuvent permettre de créer un modèle prédictif, c'est de dire, mon patient il va se déplacer ou pas. Un patient dépressif il peut ne pas se déplacer pendant 2-3 jours, c'est un signe. Il va pouvoir communiquer ou non sur les réseaux sociaux, mais en fonction du vocabulaire qu'il va utiliser sur les réseaux sociaux, j'aurai aussi des éléments d'alerte. Et enfin, j'ai aussi des informations sur son ordonnance, est-ce qu'il y a eu un changement de traitement, etc. Donc l'idée, c'est de dire, ici c'est typiquement donc, le déplacement de l'individu par la géolocalisation de son téléphone, et on va être capable de prédire qu'il y a des grandes chances qu'à midi, il aille manger, peut-être dans ce restaurant, ou qu'en fonction de la période de temps, etc., on va finir par connaître ses habitudes avec un certain degré, évidemment, d'incertitude autour. Ce n'est pas une certitude, mais enfin, il y a d'autres raisons qui pourraient l'emmener à être là, mais on va être capable de, malgré tout, modéliser et suivre cet individu, et éventuellement trouver derrière des raisonnements qui permettent d'envoyer une alerte par téléphone ou par un message. Donc c'est un sujet qui est assez complexe. On travaille sur une cohorte de jeunes patients dépressifs. C'est un peu compliqué, mais bon, ça fait partie des choses sur lesquelles on avance. Et enfin, pour terminer, un autre exemple, je pense que vous avez la même chose à Montréal. Il y a pas mal de travaux de recherche qui sont faits aujourd'hui pour la France. Pour la France, le tourisme est une ressource économique importante. Et on essaie de comprendre ce qu'il y a dans la tête de nos visiteurs, notamment leur comportement. Et une des sources de données qu'on utilise, c'est les données de Flickr. Donc les gens postent des photos, ces photos sont géolocalisées, et par le roaming, on est capable de savoir si elles ont été produites par un touriste ou par un habitant de la ville. Et ici, on voit assez clairement. Donc en rouge, c'est les localisations des photos qui ont été prises par les touristes. Donc vous avez, pour ceux qui connaissent Paris, vous avez le contact central ici, vous avez la Seine qui est comme ça, ici vous avez, qu'est-ce que j'ai, La Seine. Et ici vous avez la Résidence de France. Et en bleu, ce sont les photos prises par les Français avec leur téléphone, les locaux. Évidemment, ce qui est intéressant pour la capacité à ce moment-là. Alors, encore une fois, c'est le traitement des données. Voilà. Donc, il y a beaucoup de sujets qui parlent de ce sujet-là, mais voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire ce matin. Donc, on est vraiment dans la question du traitement des données avec toutes les incertitudes qui sont rattachées à ce métier particulier. Et demain, j'aurai l'occasion de revenir sur d'autres aspects de l'IA et de